Eh bien salut tout le monde, c'est Bouskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PS4, la version de Minecraft, donc pour cette petite version console. Alors on va tout de suite faire une vidéo découverte sur ce jeu. Tac. Alors on va changer. On va changer de pack de texture. Alors qu'est-ce qu'on a? On va se mettre en normal. Alors, donnez à vos mondes une allure plus naturelle, un pack de textures avec des couleurs et des lignes délicates. Très bien. Donc, les mecs, ils te font une pub. L'âge d'or commence, une apparence médiévale. Ouais, pas de top top. Un pack de textures créatif idéal pour les constructions qui fera le bonheur des architectes. Concentré. Ouais, ça a pas l'air top. Celle-ci, elle m'a l'air bien. Ils sont pas top top. Hein. On va prendre le pack normal. Plus d'options. Bon, on s'en fout. Tac, donc vidéo découverte. Hein. Donc sur cette petite version PS4. Alors je précise, pardon. Alors si vous voulez une aventure survie sur PS4, vous me le dites dans les commentaires. Certains m'ont dit fais une aventure survie sur PS Vita. Je n'ai pas encore le jeu. Normalement, je vais le chercher demain en magasin. Alors, je vous avoue que sur la version PS4, moi, je préfère la version PS Vita. Alors, elle est mieux la version PS4, hein, parce qu'on a un plus grand monde, plus vaste, tout ça. Alors que sur PS Vita, c'est limité à 850 blocs ou 900 blocs, je sais plus trop. J'ai pas trop envie de vous dire de conneries. Alors, il y a un truc que j'aime pas, pardon. C'est que sur PS Vita, vous savez quand vous êtes sur les joysticks. Les sticks ne s'enfoncent pas. Attendez deux secondes. Les sticks ne s'enfoncent pas, vous voyez ce que je veux dire. Alors que sur PS4, les sticks s'enfoncent. Et quand vous ressortez de Call of, vous avez l'habitude pour courir d'appuyer sur votre stick gauche. Et là, en fait, sur votre stick gauche, bah, ça change juste la vue, comme F5 sur PC. Et c'est plutôt assez relou, donc en fait non, faut juste tapoter, enfin pas tapoter, mais c'est un peu tapoter le joystick pour pouvoir courir en fait. Bon après c'est une habitude à prendre j'imagine. Donc ça doit être triangle, ouais c'est ça. Hop. Alors ce qui est bien sur la version PS4, PS Vita, 360, Xbox One, c'est que vous avez un didacticiel au début qui vous permet tout simplement d'apprendre à jouer hein. Alors peut-être que maintenant bon c'est vrai que le jeu est quand même sorti il y a pas mal de temps, vous allez me dire personne ne, enfin voilà quoi, ça sert à quoi d'apprendre, enfin tout le monde sait y jouer, vous allez me dire, mais ça peut être quand même utile pour certaines personnes. L'appel, on va pas en avoir besoin, ça on va le récupérer. Bah, je suis congé une hache. Pardon, je suis un petit peu malade, mais bon, c'est pas très grave. Tac. Alors, je voulais aussi parler, mais ça j'en parle dans toutes les vidéos à chaque fois. Bon, voilà quoi, je poste pas énormément de vidéos en ce moment, alors là, avec les fêtes, moi je travaille dans la restauration, vous commencez à le savoir maintenant. Oui, vous savez que c'est une période plutôt assez compliquée. Enfin, faut vraiment. On se fait défoncer toute la journée. Quand je me dis on se fait défoncer, c'est au niveau des clients. Enfin, ils sont pas cons ou quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'on se prend mort de clients dans la gueule. Et donc, du coup, faut être en forme et tout. Donc voilà, j'ai pas trop le temps. Et puis, il y a aussi une petite baisse de régime parce que c'est vrai que. Bon, alors ça, c'est. Voilà. Hein. Mais je vois quand même que. Il y a beaucoup de monde qui s'abonne, enfin il y a beaucoup de monde, voilà, je trouve qu'on va, avancer vachement vite, on est bientôt déjà aux 250 abonnés, enfin je trouve ça vraiment cool. Moi les 200 abonnés, j'ai mis du temps quand même à y être arrivé, et les 250 arrivent vraiment vite, et ça vraiment je voulais vous remercier, mais vraiment, vraiment beaucoup. Mais non, moi ce qui me fait un peu de la peine, c'est que voilà, quoi, y a pas énormément de commentaires sur mes vidéos, mais bon après vous allez me dire, ça viendra, hein, c'est... Voilà, je suis pas encore non plus au summum, donc ça viendra, je me fais pas non plus de trop de soucis à ce niveau-là. Mais c'est vrai que des fois, voilà, j'ai des petites baisses de régime comme ça quand je vois que ma dernière vidéo, par exemple, n'a pas fait
énormément de commentaires, enfin, n'a pas fait soit de commentaires ou pas trop de j'aime, bah voilà, ça me donne pas trop envie d'en ressortir une tout de suite. Puis je me dis aussi que peut-être certaines personnes n'ont pas forcément eu le temps d'aller la voir, c'est pour ça que j'en ressors pas une, mais je m'en souviens quand même que pendant les vacances, les grandes vacances, j'en sortais vraiment, vraiment régulièrement, genre une par jour, une tous les deux jours, parce que je voyais que les gens étaient vraiment actifs, hein, voilà, je voyais que c'était les vacances, donc les gens tout de suite, bah, ils allaient beaucoup plus sur YouTube que dans cette période-là. Et donc du coup, ça me donnait vraiment envie de sortir une vidéo bah, souvent, quoi. Donc c'est pour ça que j'en sortais souvent. Mais après, voilà, c'est juste une question de motivation. Alors, tac. Ah, j'ai un peu du mal avec les touches. Donc oui, je disais, moi je préfère la version PS Vita. Alors en fait, il faut savoir que j'ai pris cette version PS4. Au départ, je vais prendre la version PS Vita dès le début. Mais j'ai pris cette version PS4 parce que j'ai un pote sur PS4, bah, qui l'a. Et du coup, voilà quoi. Il comptait vraiment sur moi pour l'acheter. Donc du coup, bah voilà, je l'ai acheté normal. Hein, mais c'est vrai que la version PS Vita, j'y ai joué un petit peu aujourd'hui, enfin à la démo, parce que j'ai pas le jeu, je vous rappelle, hein, je vais l'acheter demain. Je ferai une série dessus, sûrement soit avec des potes, soit en solo. Mais j'ai un peu plus de mal à jouer avec la manette, je sais pas, je trouve ça un petit peu plus maniable avec les pads de la PS Vita. Ça, après, c'est un ressenti que j'ai. Après, c'est vrai que le fait que la map soit plus grande sur la PS4, c'est un avantage comme un désavantage. C'est. Sur PS Vita, ok, la map est un peu plus petite. Quoique, hein, j'ai parcouru un peu la map pour me rendre compte, parce que c'est vrai qu'au départ, j'étais pas au courant. Que, bah en fait, c'est la même version que la PS3 et la 360. Là, je vous parle plus des versions old-gen que la vraie version PS4, mais bon, voilà, en même temps, vous appréciez le jeu, tout ça. Moi, je parle un peu en fond. Je savais pas, enfin, au départ, je m'étais pas trop intéressé aux versions console, vu que je jouais sur PC, enfin voilà, j'avais pas l'intention de l'acheter sur Play 3 ou truc comme ça. Et je ne savais pas qu'en fait, le monde était limité sur les consoles old-gen. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Enfin, je me suis dit, mais attendez, pourquoi sont limités au niveau des blocs? Oui, parce qu'il y avoir que 850 blocs, comme j'ai dit tout à l'heure, un truc comme ça. Enfin, bref, c'est assez petit comme monde. Et je trouve ça un peu dommage. Et pareil pour la version PS Vita, moi, quand je vous ai fait la vidéo découverte de la démo, là, que d'ailleurs je vois qu'il a fait beaucoup de vues et que beaucoup de personnes ont apprécié, et ça, je vous en remercie vraiment énormément. Ça m'a fait vraiment plaisir. Oh merde, les boules, j'ai pas ramassé. Attendez, si. Si, je l'ai. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, donc oui, je disais, j'étais pas au courant qu'en fait la version était limitée au niveau des blocs. Et du coup, ça m'avait un peu déçu. Mais en fait, j'ai parcouru la map de la PS4, de la PS Vita, pardon. Bon, on va manger le steak parce que sinon, ouais, quoi que. Ouais, c'est chiant à chaque fois qu'on veut. Donc, bref, non, la map est quand même assez grande. Non, c'est pas petit à ce point-là. Et puis, il n'y a aucun charbon là. Et puis, non, en fait, ça peut être aussi un avantage parce que, comme ça, au moins, pour retrouver sa maison, vous savez que quand vous allez miner ou des choses comme ça, le plus souvent, vous perdez votre maison. Enfin, moi, ça me suis déjà arrivé plein de fois de trop m'égarer et de paumer ma maison. Et du coup, bah là, vu que la map est un peu plus petite, ça peut bah, supprimer ce problème, tout simplement. Donc ça, c'est aussi un avantage. Et puis ouais, bon, voilà, quoi. Mais non, sinon, la map est quand même assez grande, hein, pour ceux qui ont eu la version PS3 ou Xbox. Voilà, quoi. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir un pack de textures Star Wars sur Xbox One, je crois, ou Xbox 360, je sais plus. Peut-être les deux, hein. Bah, je trouve ça intéressant. Enfin, c'est bien. C'est bien de faire ça, mais après voilà quoi, c'est ça qui est chiant, c'est que bah, Microsoft a racheté Mojang et donc du coup Minecraft et bah, du coup j'ai bien peur que les mises à jour ou les choses comme ça n'arriveront pas sur les consoles de chez Sony. Alors ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Enfin, moi c'est mon avis, hein. Peut-être qu'ils le feront pas, peut-être qu'ils feront pas les bâtards ou quoi que ce soit, mais bon, ça sera un peu dommage, je trouve. Et voilà, au niveau des packs des textures, c'est sûr, je pense qu'il y en aura beaucoup plus qui vont sortir sur les consoles de Microsoft que sur les consoles Sony. Ça, voilà, c'est un peu dommage. Avant que la nuit tombe, parce que ça va pas tarder, on va aller tuer le mouton là-bas. Et puis on va aller chercher de la viande avant de mourir. Tac, donc pas du tout une vidéo palpitante. Alors si vous voulez que ça déboule sur une aventure survie, bah vous me le dites.
Moi, en sachant que je préférerais faire une aventure sur ma PS Vita, posée tranquillement. En plus, ouais, non, c'est vrai que je me débrouille mieux avec les pads de la PS Vita, mais j'ai trouvé une petite technique quand je vous ferai des vidéos sur PS Vita. Vu que, alors pour ceux qui ne savent pas, oui, on peut jouer en crossplay. Enfin, on peut jouer à ces jeux de PS4 sur la PS Vita. Et on peut aussi jouer avec sa manette de PS4 sur la PS Vita. Et ça, c'est intéressant parce que quand je vous fais des vidéos, vous savez que la plupart du temps, vu que je joue avec les sticks, l'écran bouge un petit peu et du coup, c'est pas trop confortable pour vous. Et du coup, bah là, le fait que je vais jouer avec la manette, l'écran bougera beaucoup moins et du coup, enfin, il y aura un meilleur confort de vidéo, quoi. Ça, c'est cool. On va tuer les deux là. Et d'habitude, enfin voilà, il y a du charbon, là, il y en a pas. Comment ça se fait? On s'en fout. T'es la map, elle échange sans charbon. C'est démerdez-vous, allez prendre du bois et allez le. Ouais, au pire, je vais prendre du bois. Hein. C'est bon. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de charbon quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas de ressources. Ça se trouve, j'ai désactivé les ressources comme un con en fait. C'est possible. Parce qu'au départ, j'ai pas trop fait gaffe de ce que j'ai fait. De ce que j'ai fait dans mes. Alors attendez. Voilà, c'est ça, déplacement rapide. Voilà, on va faire ça. Ça se trouve, j'ai désactivé les ressources comme un pauvre con. Peut-être qu'on peut le faire. Alors ça se trouve, on peut pas. Je suis en train de dire une grosse connerie et je passe à côté, mais. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors attendez, la nuit va tomber. Ouais, mais attendez, si j'ai pas de torche ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il va falloir que je transforme le bois en. En. Enfin, ça va être chiant, quoi. Première maison pourrie. On s'en fout. Allez hop, le four, il fait partie de la maison. J'ai un peu de mal à poser les blocs. Hein. Je suis désolé, mais. Oh, remarque, attendez, on va la faire là-dedans, la maison. Ce sera plus simple. Puis on ira miner. Peut-être qu'on trouvera un peu de charbon, je sais pas. On va voir. Et puis je sais plus comment on transforme le. Dépêche-toi, s'il te plaît. De toute façon, on va pas y avoir un monstre qui va spawner là. Je sais plus comment on transforme ça. Ah, attendez, je crois que c'est ça. Ou l'inverse. Non, c'est ça. Je crois que c'est ça. Sans trop dire de conneries. Bon, alors pendant que ça éclaire, on va en profiter pour essayer de trouver du charbon là, si je l'ai pas désactivé. Non, mais c'est bizarre parce que normalement, on serait déjà tombé sur du charbon ou du fer quoi. Et là, on a rien. Que dalle. Alors, peut-être qu'il y a une vidéo qui pourra intéresser certaines personnes. Je vais peut-être faire une comparaison entre la version PC et la version. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Mon PC a eu un putain de virus. Ah yes. Ouais, je crois pas que. En fait, je crois que j'ai désactivé le charbon. Bon, c'est pas grave. Mon PC a eu un putain de virus. Du coup, j'ai dû réinitialiser le PC. Et comment vous dire, Minecraft est resté, hein. Mais alors j'en avais parlé dans une vidéo, je n'arrêtais pas ma série sur Minecraft Arkham Asylum. Je la faisais juste en off et je ferai une dernière vidéo où je montre à quoi ça ressemble en version finale, avec sans ma voix derrière, juste une espèce de petite vidéo assez sympa avec une petite musique d'ambiance de Batman derrière et espèce de voilà. Mais en fait, il y a un squelette là-bas. Mais là, je sais pas du tout si j'ai paumé ma partie ou pas. Je sais pas, en fait, il faut que je télécharge une mise à jour de Java qui prend assez de temps à télécharger, donc je l'ai pas fait tout de suite. Il faut que je regarde si ça m'a pas supprimé ma partie, mais je vous jure que ça me ferait vraiment chier parce que j'étais vraiment content de ce que j'avais fait. Ah, ça me saoule qu'on ait pas de charbon là. Donc, de toute façon, c'est une petite vidéo, elle fait déjà 15 minutes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper. Tac. On a un petit peu de cuir. On va se faire une armure en cuir. Alors attendez, c'est quoi le plus intéressant? On va se faire des bottes. Avec mon skin en version. Alors j'ai joué que 3 fois à cette version. C'est vraiment pour vous dire que j'ai pas joué beaucoup.
Allez, hop. De toute façon, on est en mode normal, donc normalement, ça devrait pas être... Tu sais, j'ai l'impression de me... Oh putain, ils font mal déjà. Allez, on va buter du squelette, on s'en fout. On s'en fout comme ça, la vidéo sera pas trop longue, on va se terminer sur peut-être un fail ou je sais pas, peut-être que je vais mourir. Oh, y'a Cineige. Vas-y, viens là, toi. Je n'achèterai pas aussi, j'avais dit que... Oui, j'avais précommandé Lego Batman 3, mais je l'ai pas acheté parce que... Pff, c'est de la merde. Enfin, sur PS Vita, hein, je parle. Sinon, il a l'air sympa sur PS4. Donc oui, je vais l'acheter sur PS4, ça c'est sûr, je vais pas passer à côté. Mais... sur PS Vita, il est à chier. Voilà. Peut-être que je l'achèterai pour le fun, parce que j'ai de l'argent à foutre en l'air, mais... non, je déconne, mais peut-être ouais, que je l'achèterai pour voir ce que ça vaut, mais il a l'air vraiment médiocre. Parce qu'il y a des youtubeurs qui l'ont fait en let's play, des youtubeurs anglais, et j'ai regardé vite fait, et c'est pas top top. Hein. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Alors... Hop, ouais, on est même pas mort. Franchement, je croyais, tu vois. Je croyais que j'allais mourir. Alors, peut-être qu'on va buter un loup, comme ça tous les autres vont se ramener et on mourra comme une merde. Mais on va voir. Alors, attendez, parce que si un squelette n'arrive pas à nous tuer, c'est quand même la galère, quoi. C'est-à-dire qu'on est trop fort et qu'on est des PGM. Non. Alors, aussi, c'est vrai que je vous ai présenté 4 vidéos à la suite de Call of Duty. 2 sur PC et 2 sur PS4, en sachant qu'il y avait une petite vidéo fun avec The All-Star. Ça c'était vraiment fun, hein. Franchement, enfin moi j'ai bien aimé faire cette vidéo. Lui, ah putain de rollback de merde, il y a même Ken. Ah bah ouais, c'était sûr. Et puis on respawn à côté, non? Je pense qu'on a respawn à côté, mais je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que j'ai upload 4 vidéos à la suite de Call of. Parce que je passe vraiment beaucoup de temps en ce moment. Bah je joue qu'à ça en fait. Et j'ai tendance à délaisser un petit peu mes autres jeux. Et du coup, j'en suis un petit peu désolé, mais là, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur Minecraft, comme ça, surtout sur la version PS4, comme ça, voilà, peut-être que certains, ça les intéresseront. On va aller se balader là-bas, et puis on mettra fin à la vidéo. Alors, la distance d'affichage, alors, ça a l'air... Ok, d'accord, donc ça, vous n'avez rien vu. Ça doit être encore mon putain de virus de merde qui charge des pages pour rien. La distance d'affichage est quand même assez longue. On doit être à peu près à... Allez, je vais pas dire de conneries. Sur PC, je crois que je suis à 14 chunks. Ça doit être ça, à peu près. Ça va être 14. 12 ou 14. Peut-être 16. Ouais, mais ça va tourner entre 12 et 14, je pense. Mais elle est plutôt assez grande. Alors, sur PS Vita, ça doit être du... Je sais pas, du 8. Alors, j'ai un peu bugué quand je vous ai dit ça. Du 8 ou 10... Mais j'ai sûrement fait une petite vidéo comparative entre la version PS Vita carrément, PS4 et PC. Je sais pas trop comment je vais faire ça au niveau du montage, mais je vais essayer de vous faire ça, ça pourrait intéresser plus d'un. Hop. On se balade, on s'en fout. Il y a un zombie en tête de troll. Tac. Il y a un squelette. Hop. Ah, il y a un petit temple, allons-y. Donc vraiment, vraiment cool cette version. Hein. Moi qui avais plus l'habitude de jouer à la version PC, pas du tout habitué à la manette, mais on y prend vite goût. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez un super didacticiel au début qui vous permet de tout savoir. Moi, ça m'a un peu servi quand même. Parce que... comment dire pour apprendre les touches, c'est quand même mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a dû faire. On a un bouquin d'enchant. On va prendre les os, on va prendre la viande. On va tout prendre. Les os, ça nous servira à faire pousser les arbres après. Oh, on a des petits lingots d'or. C'est cool, ça. Hop. La vidéo montage pour les 250 abonnés. Alors, je galère dessus. Bon, ça sortira quand même, mais voilà, quoi. Ça fait plusieurs fois aussi que je vous le répète, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Bon voilà, on est resté piégé là, comme une shit. Voilà, je vais le dire en anglais comme ça, hop. Donc je suis vraiment désolé. Alors attendez, est-ce que... Non, la plaque de pression, je l'ai pété.
Ça aurait été drôle d'allumer ça et puis de mourir là-dessus. Bon bah c'est pas grave, on est piégés comme des merdes. Hop, voilà. Tac. Donc allez, moi je vais vous laisser avec ce petit skin en mode 007. Je vais vous laisser les gens et puis bah portez-vous bien et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Bye bye.